Salut tout le monde les amis, c'est Dominique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va jouer à Papy, où est mon portable ? Donc les amis, vous pouvez télécharger l'application sur l'App Store, je pense qu'aussi il est sur le Play Store, de toute façon je vous mettrai tout ça dans la description. Et vous allez voir que ça va être un petit casse-tête assez sympa, donc on va y jouer tout de suite, c'est parti. Où est le portable ? Alors en gros on doit trouver le portable, donc là vous voyez qu'il est là. Donc youpi, le papy est content, on a trouvé le portable. Donc vous allez comprendre, ça va se compliquer, hein. C'est pas un jeu pour enfants. Donc on peut éteindre, là vous voyez, alors j'ai déjà fait les deux premiers niveaux. On peut éteindre la lumière comme ça, si j'arrive à bien appuyer par contre, et comme ça, hop, on va récupérer le portable. Voilà. Donc ça va se compliquer, hein. Vous allez voir qu'après ça va être super chou. Alors là, on a un kangourou. Si on appuie dessus, ça fait un deuxième kangourou. Si on appuie dessus, un troisième. Si on appuie dessus, un quatrième, cinquième, jusqu'à... Ah, non, ça fait pas ça. Ok. Alors, peut-être qu'on pouvait le déplacer. Ouais, voilà, c'est ça, on pouvait le déplacer. Alors, on passe au suivant. Donc, c'est un peu le principe des jeux flash qu'il y a souvent. Comme ça, où vous avez plusieurs trucs à faire. Plusieurs endroits à cliquer pour trouver le bon endroit. Donc là, son portable est là. Si on le clique, ça va pas être bon. Si on appuie sur le téléphone, la télécommande. Hop, on va pouvoir peut-être utiliser la télécommande. Voilà, et hop. Voilà, donc elle s'est distraite avec la télécommande et on a pu récupérer... le téléphone. Pour changer de chaîne, elle a utilisé la télécommande. Alors là, on a deux places. On a ici le lama, ici le frigo. Quand on ouvre le frigo, on peut récupérer des trucs. Donc on va prendre tout ce qu'on peut. Ok, on va fermer le frigo, on ne peut pas. Et on va donner à manger au lama. Ça paraît logique. Ma pizza, ok. Donc pas la pizza. Tout sauf la pizza. Hop. On va récupérer la pizza quand même, mais on va pas lui la donner. Ah, il vient de me cracher à la gueule, bah super. D'accord. Et attention, il lui reste ça. Ok, il a explosé, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a explosé? D'accord, on l'a trop fait bouffer et du coup il a explosé. Ok, j'ai rien compris. C'est pas grave, on passe au suivant. Alors, si on ouvre là-dedans, on retrouve une roue. Donc on peut mettre la roue sur le camion, ça paraît logique. Ensuite, on va rentrer là peut-être. Ouais, on a une deuxième roue. On va la mettre sur le camion, ça paraît logique. Hop. Ça a cassé la télé. Et c'était pas ça. Ok. Donc pour moi, il faut distraire la fille. Pour pas... Alors, ouais, non, on peut rien faire. À part les roues. Les roues, ça se trouve, faut pas les utiliser pour le camion, mais pour autre chose. On va regarder, par exemple. Voilà, j'ai été sûr. Ah. Merde, vous avez pas vu, ça se trouve. Ah, putain, c'est con. Voilà, alors un dinosaure qui est sur le trône. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec le PQ qui est ici. Il n'y a pas assez de place dans l'inventaire. Ok, bah on va lui estiller les fesses quoi. Non, ça va pas marcher. Ok, bon, on va essayer de regarder la solution les amis. On va regarder une vidéo pour recevoir un indice, hein. Hashtag grosse pub sa mère. Ouais, donc n'achetez pas ce jeu, hein, surtout parce que voilà, c'est pas non plus comme si je faisais de la pub dans mes vidéos, voilà, ça arrivera bientôt, mais pas maintenant, hein. Ok, on change de jeu, je vais dire non, on change pas de jeu. Into the Trex, indice toilette Trex, T-Rex, non, sans blague, indice toilette T-Rex, putain, mais c'est un indice de merde, ça. Ok, donc attends, on a compris, quand tu mets ton doigt là, ça te mord, hein. On prend le reste. Ah, il était caché derrière le PQ. Mais oui, bien sûr, ton portable est toujours caché derrière le PQ, c'est logique. Ok, donc on est encore dans une pièce de place. Alors, dans la petite cabane, il y a la petite fille là qui fait chier d'ailleurs, on peut le dire, elle nous fait bien chier. Là, on peut récupérer la télécommande, que pas. Ok, on a un film. Ok, c'est bon. On a compris comment ça marchait, on continue. Ok, un âne, une gamelle, un frigo, ah, une carotte. Bah ok, on a tous compris, on donne la carotte à l'âne. Et il nous casse notre portable. Ok, c'est pas ça. Il y a un tapis derrière là, il me dérange un peu. Alors, il y a quoi derrière la porte? On va même pas regarder. Ah, c'est bon, j'ai compris. Il faut prendre la carotte et il faut la mettre dans la gamelle, je pense. Hop, on la met dans la gamelle. L'âne va arriver, il va manger la carotte et il va casser mon écran. Ok, c'est pas ça. Mais oui, j'ai compris, les amis, regardez. On va prendre la carotte.
on va la mettre sur le paillasson, le LAN va arriver, on ouvre la porte et boum, voilà, et on récupère le téléphone, impeccable. Allez, on va encore en faire un dernier les amis. Alors, on ouvre, ok, il n'y a rien là-dedans. Ok, je me suis pris une baigne, je sais pas par qui. Les fleurs, il n'y a rien dans les fleurs. Ah si, il y a une abeille, j'avais pas vu, putain, je me disais pourquoi je me fais taper. Dans le tiroir, on a des préservatifs, non, des chewing-gums. Ok. Et alors, si on donne des chewing-gums à la copine, à la petite fille, là. La copine, non, si j'ai pas de copine, non. Ok, là, on récupère un téléphone. Ok, vous avez compris? Vous avez vu, le téléphone arrive quand je donne les chewing-gums à la petite fille. On ouvre la fenêtre, regardez. Oh putain, qu'est-ce que je suis un génie. On lui donne le bonbon. Elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. Elle se lève, elle se lève, elle se lève. Attention, poum. Hop, et je peux récupérer le téléphone. Magnifique. Bon, un dernier pour le fun, parce que je suis vraiment trop bon. On est avec Madame Irma. Alors, on a un ballon, un seau, un truc que je sais pas ce que c'est. C'est très français ce que je viens de dire. Alors, on lui donne la boule de cristal. Non, ok, on récupère ça et on lui donne à la place sa boule. Ça paraît logique et ça se transforme en téléphone. Impeccable. Bon les amis, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Samedi, il y aura la vidéo déballage de mon micro que je viens de commander sur Amazon. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez la fin du jeu en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et quant à nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde et à bientôt.